Écoutez. Il vibre au sein de ta voix. Mon cœur, il est tout à toi. Il est tout à toi. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis des petites lunettes, hein, histoire de faire un haul back to school. Parce que mon haul là, ça peut grave être un haul genre pour aller à l'école et des gens pour aller au taf. Après j'ai pris des trucs aussi, genre je ne mets pas pour aller à l'école. Mais ça passe de ouf. C'est parti. C'est chez vous pour sortir vite fait. Enfin moi je sais que je pourrais grave sortir avec ça, je m'en fous. Alors, j'ai pris un short très rose, très rose. Petit détail ici, c'est la gamme officielle de chez Boohoo, j'aime trop. Avec ça, j'ai pris un t-shirt classique, toujours officiel. C'est matière un peu éponge et j'aime trop. Il y a aussi la chemise comme ça, mais moi j'ai décidé de prendre le t-shirt. Alors ensuite, j'ai pris un ensemble. C'est un ensemble que vous, je pense que vous pouvez mettre pour aller en cours, mais genre pour aller au sport. Enfin, vous le mettez dans votre sac et vous sortez pas comme ça. En haut, il est comme ça. Vous l'avez en blanc et en rose. Moi, j'ai décidé de le prendre en rose. Et je sors de ouf de ma zone de confort, mais vraiment depuis cet été, je prends des couleurs et tout. Et il y a marqué Angel dessus. Vous avez le short qui va avec. J'aime trop. Purée, j'aime trop les shorts. Je dors en short. Je passe ma journée chez moi en short. Et les shorts, c'est trop. J'aime trop. Alors ensuite, j'ai pris un ensemble blazer. Donc ça, vous pouvez carrément le porter pour aller au taf. Je précise à chaque fois dans mes hauls, je fais 1m67 et je fais 67 kg. Histoire que vous ayez en tête mon poids et vous voyez un peu ma morphologie. Je n'ai pas une morphologie Instagram. Je suis droite. Je suis droite, vous savez déjà, j'ai du bide, j'ai des bras, ils sont pas fins. J'ai un petit double menton, mais ça on s'en fout, les vêtements ils rentrent pas dedans. Donc voilà, bref. Un ensemble, donc c'est un blazer, il fait très quali, genre il est grave épais et tout. Très beau, donc vous avez une petite ceinture pour nouer à la taille, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et avec ça, il y a un pantalon. Donc le pantalon, je le trouve très beau, hein. Mais il faut être grande. Franchement, si vous voulez mettre des baskets avec, il faut être grande. Parce que bah, comme je vous l'ai dit, je fais 1m67. Et le pantalon, en fait, il est trop long. Quand je vous dis il est long... Mais il est archi long et vous avez des fentes au niveau du bas. Moi le truc c'est que j'aime pas quand le pantalon il est serré en haut. Enfin genre c'est un peu plus moulant en haut. Et en bas c'est grave évasé. Et là c'est grave le cas. Donc obligé de porter ça avec une paire de talons. Genre vraiment 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 obligé de porter ça avec une paire de talons. Et celles qui sont au dessus ben franchement ça peut grave bien vous aller. Ayez des grandes jambes quoi. Ensuite j'ai pris un legging blanc. La matière c'est du... On dirait que c'est une matière sweet. Comme ça. Il est un peu trop grand au niveau de la taille. C'est très rare que je dise ça. Du L, j'aurais peut-être dû prendre du M. Mais en M, je sais qu'il m'aurait moulé, 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 moulé. Il moule quand même, mais c'est juste au niveau de la taille. Petit détail ici, au niveau du dos, il est comme ça. Il est un peu transparent. Mettez des sous-vêtements adaptés. J'ai pris une chemise froncée sur les côtés, sur les manches. Je crois qu'il y avait écrit chemise oversize, je suis pas sûre. J'ai pris du 40. Et comment vous dire que... Moi, elle n'est pas oversize. Je suis un peu déçue parce qu'elle n'est pas oversize, mais sinon, elle est belle. Par contre, elle est transparente. J'ai pris une veste, comme ça, c'est un blazer. Il est assez fin, mais ça va, je trouve qu'il est de bonne qualité. Il est archi long. Vous pouvez limite le porter en robe. Pour les gens qui portent des robes au-dessus des genoux, si je le porte, ça m'étonnerait que je le porte avec un pantalon. Genre, j'ai une tenue en tête, soit je le porte avec un short ou avec un cycliste. Vous voyez ce genre de tenue? Je pense plus le porter comme ça. Non, il est grave beau et j'avais pas de blazer gris. Veste en cuir comme ça, oversize. Oh, j'aime trop. Quand je vous dis j'aime trop, j'aime trop. Le seul truc qui me dérange, c'est que là, genre en gros, ça soit pas comme ça, vous voyez. Je pense qu'il faut qu'elle se fasse pour que ça soit comme ça. Un jour, elle est bien oversize et tout, j'aime trop. Et vous avez une ceinture avec, sauf que moi, j'aime pas avec la ceinture. Donc, je l'ai retirée. Par contre, elle est fine. Bombers. Satiné, couleur champagne, on sait pas trop, champagne beige. J'ai pris en L. Ah oui, pour tous les vêtements, j'ai tout pris en L. Les Converse là, j'aurais pas dû le prendre en L. J'aurais dû le prendre en M. Ce qui taille grand. Et les très très oversize et un peu long. Genre, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus courts. Mais c'est pas grave. Et comment je le voyais dans ma tête, ça va pas faire comme dans ma tête. Il va falloir que je trouve une tenue. Mais il est grave beau. Ensuite, j'ai fait une tenue. C'est simple, mais j'aime trop. J'ai pris une chemise comme ça, bleu marine. J'ai pris du 40. Elle est très longue et oversize. Hyper longue. Pour aller avec la chemise, j'ai pris un petit sac bleu. Il n'y avait pas beaucoup de sacs bleus sur Boohoo. Mais de base, j'aime pas trop ce genre de sac-là. Mais avec la chemise, ça fait super beau. J'aime bien. Je vous ai montré en close-up de toute façon. La petite bandoulière, faut la dresser. Guettez comment les plier. Bref. J'ai vu une veste chez les petites. J'aimais bien la veste. Enfin,
Vous savez, ça fait très printemps. Et mood dans ce moment, genre dans les couleurs, dans les motifs et tout. J'ai pris une veste en jean, comme ça, marron, beige. J'ai pris une taille 42 pour qu'elle m'aille bien, parce que si pour que les manches soient sautées, la veste elle est trop petite et tout, flemme. Donc je l'ai pris en 42 et ma foi, ça me va bien. Je suis pas petite, mais je me permets de m'habiller partout. Un petit ensemble, leggings. J'ai pris un blazer comme ça, beige. Là, il est trop beau. Mais quand je vous dis il est trop beau, j'en ai déjà un simili cuir noir. J'en ai un peu plus camel. Et là, j'en ai un beige. Oh, mais je l'aime trop. Il est bien oversize et tout. J'aime trop. J'ai pris une veste baseball qui sont très à la mode en ce moment. Bleu, comme ça. J'aime bien. Oh, je sais comment je vais... je sais comment je vais la caler. Si ça fait comme dans ma tête, ça va vraiment péter. Genre, j'aime trop. Très oversize. Elle m'arrive en dessous des fesses. Mais waouh, je kiffe. Et pour terminer, mon coup de cœur. Mais vraiment mon coup de cœur du haul. Enfin, il y a beaucoup de vêtements que j'aime. Mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un ensemble blazer. La qualité, déjà la qualité, elle est grave présente. Mais j'insiste vraiment, la qualité est grave présente. Un blazer comme ça. Et quand je vous dis achetez-le, achetez-le. Mais fort, c'est mon meilleur blazer. J'en ai des blazers noirs. J'en ai. Je crois que j'en ai au moins 5. Mais celui-ci, oh, il est super classe. Mais quand je dis super classe, il fait super classe. Vous voyez les petits boutons là? Il est un peu cintré à la taille, genre vite fait. Mais il fait grave femme et j'aime trop. Même avec une paire de baskets, ça va faire beau. Bref, donc le haut, il est comme ça. Et le bas, il est comme ça. C'est un pantalon classique, tout droit. Mais quand je vous dis, il taille bien. Oh, j'étais choquée. Genre, j'étais choquée. Quand je vous dis, il taille bien. C'est-à-dire que le pantalon n'est pas trop long, il n'est pas trop court. Il tombe bien à ma cheville. Il tombe trop bien. Genre, je mets des talons, ça passe crème. Je mets des baskets, ça passe crème. Oh, non, il est trop beau. Même au niveau de la taille, il serre bien. Il n'est pas trop serré. Au niveau des cuisses, il est... Non. Mon meilleur pantalon. Achetez-le. Achetez-le, achetez-le, achetez-le. Foncez, hein, pour cet ensemble-là. Franchement, pour tous mes articles, je recommande. Mais cet ensemble-là... Allez-y, les yeux fermés. Là, j'ai terminé de vous montrer ma sélection. Sélection de qualité. Franchement, une sélection de qualité. C'est la deuxième fois que je suis en collaboration avec Bou. La première fois, j'aimais déjà ma sélection. Mais là, je préfère celle-ci. Dans ma tête, j'ai des tas. J'espère que ça va vous plaire. Et en plus, les vêtements Bou, je trouve qu'ils se démarquent un peu. Genre, vous voyez pas ça partout. Genre, les bombers que je vous ai montrés, on les voit pas partout. Donc, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes vêtements. Plutôt au niveau des vestes, ils ont des vestes de ouf. Mais genre, vraiment de ouf. Que vous voyez pas partout. Donc, vous savez déjà, moi j'aime pas trop avoir les mêmes articles que tout le monde, ça me saoule. Donc, voilà, sauf dans les basiques, je comprends, mais pff, sinon c'est relou. Genre, tu croises une personne, elle a la même chose que toi, flemme. Bref, là ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Tous les liens des articles seront dans la barre d'infos. Il y a aussi un code promo, c'est moins 50% sur tout, il me semble. C'est pas mon code promo à moi, c'est un code promo qui est sur vous. Voilà, de toute façon, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que ce haul vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.